Maintenant, il y a SC Tchossan, comme on l'a si bien dit. SC Sidaté battu par la SC Tchossan, la grande soirée, la grande surprise de cette soirée. Donc, on a match maintenant gâté. Moi, je suis un homme qui a été un homme qui a été un homme. Comme nous avons un départ, nous avons un Djoko et Aïssé Santial, futur stade municipal de Bel-Air. Nous avons un topol. Attention, Djoko, nous avons un balbino. Attention, balbino, c'est un fallu. Nous avons un balbino. La tête du défenseur de... Attention, Abdelaziz Sarr qui prend le ballon. Milieu de terrain. Bien joué. La part du numéro 8 de l'AFC Santial. La latérale qui va déborder le centre. Et l'ouverture du score. Bien sûr, l'ouverture du score. L'ouverture du score de la part de l'AFC Santial. Quelle but, on dirait que c'est en faveur de ces Sandy Alagaté. C'est une fois nous, tu m'as dit que nous, voilà, tu as dit que c'est Sandy Alagaté. Donc, il doit directement centrer, il a essayé de centrer, mais de vieux par tonton. C'est pas encore fini. La défense de l'AFC Sandial qui s'abat. Le retour, attention. Malheureusement pour lui, heureusement pour les joueurs de l'AFC Sandial. Attention, Djoko. L'almoké ou. Il n'y a pas de pénalité. Attention, Balbaré de Ouzier, il y a un peu de hal. Les joueurs, supporters de Sandiala, mais Balbaré de Ouzier, qu'est-ce qu'il tente là? Oh, il avait bien vu l'expérience de Terry. Ballon dégazé par le numéro 2 latéral. Attention, contre. Attention, il va lever. Non, il le met dans la terre. Attention, il bagaille. Il va marquer! Non! C'est le premier contrôle qui n'a pas bon. Regardez, le contrôle, je dis que c'est mon bon. Mon bon, parce que quand tu as une balle, il faut que tu aies un surtout contrôle, vous avez un premier, deuxième, vous avez un premier. Vous avez un premier contrôle, vous avez un deuxième contrôle, vous avez un premier. Mais quelle occasion manquée! Il pouvait tuer ce match, les joueurs de l'AFC Sandiala. Et c'était le bon moment pour tuer ce match. Mais Diaroul, hélas, il n'y a pas de problème. Hélas, qui se bat, le numéro 12 de l'AFC Sandiala, mais quelle passe! Quelle passe et quelle profondeur! L'arbitre dit hors jeu. Mais j'en suis pas sûr, Ngaté. J'en suis allé à Karon, ne continuez à maintenir. Moi, je vis. Et mi-temps, Ngaté. Mi-temps ici au stade municipal de Anne Belair. Nous sommes de retour au stade municipal de Anne Belair. Si la deuxième minute, nous sommes en train de nous faire un peu. Nous devons essayer de Santiala ou essayer Djoko. À l'occurrence, Tons qui alerte ses attaquants, mais quelle profondeur!
Le cher Salas Coli, il le retrouve. Et faute. Faute. Bien sûr, il y a faute. Et la Scully est très fort en ballon au pied. Directement dans les buts où ça sert une tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper directement. Et sur la barre transversale. Sur la barre transversale. Ngaté. Vous voyez bien le solo du barbe le couteur. Ouais. Joko, Nyor, Balbinonou. Axe central. Attention. Johnoko numéro 7. Attention. Nyemaydem. Nyemaydem. Numéro 10 est capitaine de l'AC Djoko. Touche en faveur de l'AC Sandiala. Effectué par le ras droit. Le numéro 6. Le numéro 10 qui garde la balle et obtient une faute. Le numéro 11 de l'AC Sandiala qui avait fait un bon rentrée lors du premier match. Et il n'était pas inaperçu. Parce que il a gagné une place de titulaire lors du deuxième match. Et il a confirmé, attention, la tête! La tête de Ibagaï! Quelle tête de Ibagaï! Je vous l'avais dit, il n'a pas une occasion. C'est numéro 2 de l'AC Sandiala. AC Sandiala, nouvelle l'ancien deuxième but, tu me comprends, c'est extraordinaire. C'est une fois, on ne l'avait pas attendu. Mais je vous l'avais dit, cet attaquant-là, il n'arrête pas une occasion. Ibagaï marque le deuxième but de l'AC Sandiala. AC Sandiala 2, AC Djoko 0. AC Sandiala, Mohamed Niari Balti 0. AC Djoko, mais quel but. Amundara, mais Bibi, de Farai Fallou. Quelle détente de la part du numéro 2 de l'AC Sandiala. Quelle détente. Il a tué, il a sauté très haut et gardé ses abdominaux pour cadrer ses balles, qui finit dans le filet. Quel but de la part de Ibagaï. Ibagaï, vraiment Bibi Reine, Bibi Rafetne, Bibi Aladomena, parce que Mekibi Mojarion, comme nous l'avons dit, il est en détente. 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 Et que pour le moment, il s'est senti à la main 2-0. Attention, la déviation du numéro 6, latéral droit de l'AC Sandiala. Le joueur de l'AC Djoko qui se précipite. Attention, corner tiré. Il y a deux ballons. Il y a deux ballons. D'abord, bon, on l'a vu, hein. C'est terminé par deux bizarres de l'AC Sandiala qui vient de battre l'AC Djoko. Ça a été un match très serré. L'impression. Bah, c'est le cas. L'AC Sandiala, dès que vous mettez le football, quoi, il y a beaucoup de pression. Bah, nous, on a fait des choses. Nous, on a fait des choses. Nous, on a fait des choses. On a vu que l'AC Sandiala, pour nous, on a fait des choses. C'était très difficile, ils sont venus l'année dernière avec Raj Barra,
qui a quitté le club. Mais nous qui sommes en qui est seul et qui vient déposer, déposer ni à ramener ce football, ni à ramener les supporters avec ses adjoints ou ça c'est ses entraîneurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, dès le lendemain, quand tu confiance pour quoi? Moi, je viens du gaz militaire, nous défilons, nous jouons sans pression quoi. Quand tu nous jouons, c'est une valeur, nous mieux. Le ñu mënu rek ñu def ko mom daf ñu libérer ci lépp quoi. Ah ok, légui lan nga super bari ah ñu gëna yokk rek xamni li dess mo gëna li dess mo gëna bari mo gëna bari waaw coup lañ bëgg jël inshallah inshallah que merci beaucoup et félicitations. Allez coach, ça a été très difficile, un match nul qui a été très mal géré par les supporters lors de la première match, donc on gis le deuxième match nous avons imposé difficilement je peux dire parce que c'était une différence de 1 but. Ah, d'abord, je suis allé à la maison. 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 Je suis c'est nous là c'est pas venir comme une dernière minute c'est les nous on vient démarrer mais nous disons nous avons un changement il bouge on a mis des opérés encore par rapport à sa première onze premier match oui mais faut le là dernier set rec parce que début match le début championnat là on démarre mais hol le set après bon au fur et à mesure merci d'où on est gagnés mais les coups vous serez 4 points les amis nous payé déjà mais pour les qualifications à mon goût parce que destin dernière journée parce que Tchassane a gagné aujourd'hui. Okay. Donc, on a fait beaucoup de gagner dans la course. Okay, merci beaucoup, coach. Ok, merci. Félicitations. Okay. Mac, capitaine de la SC Djoko, c'est le capitaine de la SC Djoko. Vous avez perdu par 2-1 alors que c'est le premier match qui a gagné. Vous avez pour confirmer, malheureusement, vous avez buté sur la SC Santéal. Football, on a fait après, il y a le défi. Mais ñu concentré sur les restes rek am ñu na 3 points mais gis nañu tamit Tchossane bi leen dooron mom mo door tay ñi nga xamanteni ay cité mu nek deux clubs de AC yu xamanteni am nañ 3 points sen 3e match ak cité lan ngeen xaar wa mais dañ ñeu confirmer rek tay ñeu confirmer rek affaire mom football rek amul logique gisoo Tchossane ñu ñoko gagner tay bam ñeu dafa gagner cité té cité mo ñuy lekk légui lan mo doxul tay pourtant lepp doxna lepp doxna su ko ne yalla mo mayul dab rek football ak victoire ñoo and ak defet wala nul. Ok du coup, ok merci beaucoup. Ok.